Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout vient pour vous et que votre vie se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, je suis avec ma petite femme Lille. Salut. Avec mon pote Sofiane et sa femme. Salut. Comme d'habitude, je vous mets sa chaîne en description. N'oubliez pas d'aller jeter un petit coup d'œil. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, le petit partage, la boutique 13x en description. 50 000 euros aussi. Oui. N'oubliez pas 50 000 euros aussi. Non, sérieusement, Sofiane, est-ce que tu veux expliquer à mes abonnés qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à quoi? Bah, par rapport à ton ordinateur. Bah, tu sais, c'est les aventures d'Abdali. Ça... ça reste entre nous, ça. Allez, bah, tu peux le dire si tu veux. C'est sur YouTube déjà. Ah, déjà? On a vu qu'il avait fait tomber ton ordi. Ouais, c'est vrai que bah, c'est sur ma vidéo qu'on a vu que j'ai fait tomber ton ordinateur de la voiture. Bah, apparemment, depuis qu'il a fait tomber mon ordinateur, bah, mon ordinateur ne fonctionne quasiment plus. J'ai redémarré plusieurs fois. Donc, voilà, pour un rendu normalement qui met à peu près 6 minutes. Donc là on est sur du 50 minutes, ça fait déjà bah, plus de 50 minutes qu'il est à 50 minutes. Ah ouais, il est à 48%, on est déjà 51 minutes, donc à mon avis ouais. T'as dû, ça va, ouais, ça va prendre, ça a dû prendre 102 minutes pour un rendu. J'ai cru que t'allais dire, ouais t'as dû le casser ton rendu. Non mais je sais pas si c'est moi qui l'a cassé ou c'est toi peut-être qui l'a cassé, on sait pas. Hein. Des fois, en fait, on est rentré, j'ai pris le sac à dos, je l'ai jeté, ouais, ça se trouve. C'est cassé. Ça se trouve. Après, t'as dit, je vais mettre ça sur le dos d'Abdel. Mais tranquille, en tout cas, ne vous inquiétez pas, c'est que du matériel. Voilà, j'attendrai Noël pour demander à ma chérie de m'en racheter un. Hein, ma chérie. Ou l'Aïd, c'est bientôt l'Aïd. C'est bientôt l'Aïd, on va aller demander. Ah, mais regardez-moi ce musulman, lui, faites Noël et l'Aïd en même temps pour avoir plus de cadeaux. Voilà, c'est ça. Voilà, hein. Non mais au pire après c'est quoi? Après c'est à mon avis peut-être le disque dur. Je te ramènerai un pote informaticien et jetterai un coup d'œil. Et si c'est le disque dur, ouais, bah, je t'en achèterai hein. Ouais. Ça coûte pas un milliard un disque dur, frère. Non ça va, je pense que c'est juste un petit disque dur. Je pense que c'est pas grand chose. Ouais bah vas-y. Bon on va faire un petit tour. Allez c'est parti. Les femmes on va faire un petit tour. Ouais. Allez. Oui, regarde avant on dirait bébé. Oui ouais. Oui. Il dit que des conneries depuis tout à l'heure. Mais ça se tape encore. Ouais. C'est pas que maintenant, c'est tout le temps. Ce mec-là est complètement con. Un petit peu. Tout le temps. Ouais. Beaucoup. Complètement. Trop. Beaucoup trop. Abusé. Abusé. En plus, c'est le jour, il a mis sa voiture. C'est clair. Le mec, il sait même pas où est sa voiture. Le mec, il sait même pas où est sa voiture, ce crétin. Rien du tout. Petit détail à la con, mais on a tous froid. Et surtout moi, parce que j'ai rien du tout. Pratiquement, voilà, tout simplement. Merci, au revoir. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. Bon, direction World of Disney, je vais aller voir s'il n'y a pas une petite veste parce que là, je suis en train de cailler sa tente. Même s'il y a une veste mini, je la prends, je m'en fous. Vers l'infini et dans ta tata. Alors la famille, c'est la vraie moto qu'ils ont utilisée dans un film très populaire et très connu. L'arme fatale avec Mel Gibson. Franchement, waouh. Waouh. Ah ouais, stylé. Ça rigole pas, hein. L'arme fatale, ma gueule, hein.
Voilà la famille, en tout cas, bah, c'est la petite fin. Voilà, on voulait un petit peu vous partager la petite sortie. J'espère que ça vous plaît. J'espère qu'un jour vous irez, Inch'Allah, avec vos parents. Voilà, moi je vous le dis en tout cas, quand j'étais plus jeune, j'ai jamais eu la chance d'aller à Disney. La première fois que j'y vais, bah vraiment, en tout cas, c'est maintenant à l'âge de 27 ans. Donc voilà, vous inquiétez pas, avec le temps, tout peut se faire. Donc voilà, j'espère juste que vous, le jour où vous irez, ben, vous allez vous faire plaisir. En tout cas, moi, je sais que le jour où j'y retournerai, ça sera quand avec Léa on aura des enfants. Je sais que j'aimerais bien ramener mes enfants ici parce que ben, Disney, le monde animé, ça vend du rêve aux gosses. Et quand on est gosse, on en a besoin de ça. Donc voilà, en tout cas, pour ceux qui m'ont parlé du prix de l'hôtel, j'ai toujours voulu être transparent, j'ai toujours voulu me dénoncer avant que les autres me dénoncent, entre guillemets. J'ai toujours préféré dire les prix, être droit sur ça, être carré. Au lieu d'avoir des gens qui vont dire « Ah, GamingStress, il a payé 1200, GamingStress, voilà, j'ai payé 1200. » Après, je dois vous avouer quelque chose, les chambres d'hôtel, ce qu'il y a, que ce soit au niveau de la télé, comme vous voyez là et tout, c'est pas fou. C'est vraiment pas fou pour 1200€ et on voit que ça coûte 1200€ parce que c'est à Disney. Mais c'est pas fou. Moi, j'espérais en fait déjà une chaîne Disney ou un truc spécial sur la télé Disney pour qu'on puisse regarder des films Disney ou des animés Disney. Rien, frère, il y a carrément El Jazeera sur le... Ils ont 32 chaînes, il y a la chaîne El Jazeera, tu vois, c'est une chaîne de trucs d'information et de films arabes. Tu te dis, mais qu'est-ce que ça fait là? Alors oui, il y a souvent des Arabes qui viennent ici, mais je veux dire, quand on vient à Disney, c'est pour regarder du Disney, c'est pour être dans un moment féerique avec les enfants, avec nos femmes, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, voilà, franchement, pour ce prix-là, cette chambre, c'est un petit peu du foutage de gueule, mais comme on a dit avec mon pote Sofiane, après c'est Disney, c'est féerique, c'est beau, et il faut juste en profiter, il faut pas regarder, faut pas trop essayer de regarder à la dépense. Faut pas penser à l'argent en fait à ce moment-là, tu vois. Quand tu viens, c'est pour te faire plaisir. Une fois que t'as payé, tu en profites au maximum. Ça sert à rien de dire ouais, j'ai payé. Ça sert à rien. Et donc demain, on vous fera un petit peu plus profiter, Inch'Allah, parce que demain, on va pas n'importe où avec l'IA. Demain, on va aller non pas au village, parce qu'aujourd'hui, on a été au village. Donc ça, le village, c'est rien, d'accord? C'est l'extérieur, c'est tout petit, c'est rien. Là, demain, on rentre au parc, d'accord? Donc demain, on rentre au parc et là, ça va être autre chose. Ça va être autre chose. En plus, là, au village, on a tous les deux eu des problèmes, que ce soit moi ou Sofiane avec nos PC. Donc forcément, ce qu'on a dû faire, c'est régler les problèmes de PC. On est sorti d'ici, il était déjà 21h45, 21h50. Il est déjà très, très tard, donc voilà. Bref, en tout cas, prenez soin de vous et de la MIFA. Très, très bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, le petit partage. La chaîne de mon pote Sofiane en description. La chaîne de mon petit frère Momo en description aussi. Il arrive bientôt aux 90 000 abonnés déjà. Il est monté trop vite. Abusé, le petit. Bref, en tout cas, merci à ceux qui poussent mon frère vers l'avant. Salam à tous. Ciao. Merci beaucoup, la famille. Bisous.